froid et mordant. Yo, je vous retrouve pour l'épisode 9 de la série Maître et Sox. Ce matin, on est sur un petit étang du Nord Pas-de-Calais. On va essayer de traquer un gros brochet. Suivez-moi. Donc je vous disais, on est dans le nord ce matin et on a un vrai temps du nord parce qu'en ce moment c'est vigilance orange sur la région. Je l'ai vu hier, j'ai fait la route de nuit, c'était bien chaotique. Mais ce matin on a une matinée assez calme, les marées débordent, il y a beaucoup d'eau. Il est tombé beaucoup d'eau, ça n'empêche que c'est un bon temps pour le brochet. J'ai déjà pêché ce petit étang, peut-être que vous le reconnaîtrez, dans les premiers épisodes de la série, dans l'épisode 2 et 3. On va essayer de faire plus gros que ces deux fois-là. Et c'est parti, je suis avec mon fidèle Dexter Shad, que j'apprécie particulièrement en ce moment. On va voir s'ils en veulent, après on va essayer beaucoup d'autres leurres. Mais je sais que dans cet étang, il faut trouver la bonne couleur. Il y a un brochet qui vient de chasser juste là-bas. Il n'était pas énorme. Mais on ira le voir après. Toujours bien senti ces petits arbres immergés là, ils peuvent se cacher en dessous dans les racines en embuscade. J'ai jamais eu de gros résultats en longeant ces arbres là. Ils sont souvent sur les bordures comme ici, les bordures un peu marécageuses. Oh non, c'est la misère. Oh putain. Oh. On va retrouver coincé. Je vais mourir dans ces marées. Bon, sinon on m'a demandé quelques explications ces derniers temps sur ma façon de pêcher en fonction de la saison et tout ça, et en général des conseils et des explications. Donc je vais essayer de faire ça en allant. Je vais essayer de faire un peu plus ça dans mes vidéos, donner quelques conseils. Et attention, je ne suis pas quelqu'un de très très technique. Et la meilleure chose que je peux vous conseiller si vous voulez améliorer votre technique, c'est d'aller voir les vidéos du Fishing Club. C'est les professionnels de la pêche en France qui discutent à propos de plein de sujets différents. Vous trouverez forcément des trucs intéressants. Et moi, je suis abonné à leur chaîne. Donc, en ce moment, ce que je peux vous conseiller pour pêcher le brochet, c'est 1. De pêcher gros et 2. De faire des pauses. C'est la saison où les brochets s'alimentent quand les températures refroidissent. Et je l'ai bien vu la dernière fois. Je pêchais avec des leurres de 25 cm et je faisais des brochets qui étaient déjà gavés. Des brochets de 65 qui étaient déjà gavés. En fait, on entend tous son contraire. Mais moi, je préfère pêcher avec des coloris naturels foncés, marron, voire noir, dans une eau très chargée. Typiquement, ce genre de coloris qui avait bien marché la dernière fois. Dans une eau qui est très boueuse ici sur cet étang. Je vais commencer par pêcher avec des leurres sombres dans une eau sombre et avec des leurres très claires dans une eau très claire. Bon, si on pêchait un petit peu là, nous on a un métré à faire. C'est parti. Des tirées assez amples et à la récupération, ça fait une pause, c'est souvent là que ça prend.
Fishhorn. J'aime bien quand je donne des conseils et que ça marche. Il est pas très gros. Hop, on le fait glisser sur l'herbe mouillée. Il était pas tout seul celui-là. Il y en avait un autre qui m'a touché juste avant. Un beau petit poisson. Et on va le remettre. Et ça repart. C'est parti. Go faire plus gros là. Les carpes sont actives. J'ai vu pas mal de sauts, mais aussi des chasses de brochets. Ouh. Voilà un beau poisson, bien en forme, pris sur la bordure. En fait, je faisais juste une pause avant de sortir mon leurre de l'eau et il s'est retourné dessus comme ça, il l'a engamé. Donc voilà un beau poisson de 74 cm. Allez, c'est parti. Et hop, il est parti se recaler sur sa bordure. Yes. Ouais, et ben il y a quand même un gros degré de différence avec l'Île-de-France. On est bien dans le nord. Et les pressions atmosphériques sont en train de remonter en flèche. J'ai vu quelques chasses, des jolis sauts de carpe. Et puis on a fait deux brochets sympas. Toujours pas de gros. Mais on y arrivera et moi je vous souhaite un bon confinement. Je viens de penser qu'en fait quand je vous sortirai la vidéo, on sera déjà confiné depuis quelques semaines. Donc voilà, moi je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. On se retrouve très bientôt quand même. Salut.